Salut, salut, c'est Joulotte. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo où je lisais vos commentaires. Et vous êtes quand même de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Donc d'ailleurs, ça fait super plaisir. Bah du coup, vous doutez bien que ça me laisse encore moins le temps pour pouvoir répondre à tout le monde dans les commentaires. Et donc, c'est vrai que des fois, entre les messages Facebook, Twitter, YouTube, c'est pas toujours évident de répondre à tout le monde. Bon, vous êtes pas non plus des milliards à m'écrire, hein. Mais quand même. Voyons voir un petit peu. Ah, on commence bien. Nous avons Alexis B qui nous demande, c'est quoi ce jeu? C'est Tricotage Simulator 2016. Tu devrais essayer, il est génial. Tu fais n'importe quoi. Oui, tout à fait. Ah bien, voilà un message intéressant. Nous avons un commentaire de Fabien Hiblo. D'ailleurs, Fabien, si tu nous regardes, salut à toi. Fabien qui nous dit, coucou, je suis en train de... Je suis en train de... Je sais pas. On sait pas. Je suis en train de faire la vaisselle, de faire le ménage, de me brosser les dents, de caresser un singe aux os de Boval, de... Je sais pas, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Très bien Fabien, je vois que tu es joueur. Eh bien on va jouer. Vous aussi trouvez la fin du message de Fabien dans les commentaires. Ça peut être marrant, laissez parler votre imagination. Titre putaclic, non je rise, super vidéo comme d'hab. Eh bien apparemment il te faut pas grand chose pour cliquer. C'est plutôt une bonne nouvelle tu me diras. Merci l'ami. Un message de Gilles. Gilles avec un J, ça vous choque pas vous? Bref passons. Jolat, et ton fond vert où est-il? Je l'ai mangé, j'avais faim Gilles. Et j'ai pas trop pensé à ça que la vidéo, je mets plus 12 parce que ça ne vole pas. Et puis les toilettes avec des plantes bizarres. Non mais bon GG à toi Jolate, je te félicite. Eh bien merci Gilles, ça fait très plaisir. Sinon pour mon fond vert, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo pourquoi je l'ai enlevé. Je te laisse faire tes recherches Gilou. GG pour ton Airbus. Un Airbus? Ça doit être une nouvelle espèce d'animal ça. Certainement un mélange entre un hérisson et une buse. Ça donne un Airbus. Tiens, voilà une question intéressante. Jolate, pourquoi Jolate? Et pourquoi pas Jolate? Tu me fais trop rire cochon Jolate. Tes vidéos me détend. Je veux que vous likez tous sa vidéo. Très bien, ça va, ça va. Ouais, je vais le faire parce que je sens que je vais me faire défoncer. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est bon. Jeffrey qui nous dit le titre, ça ressemble à un sort d'Harry Potter. Alors, effectivement, ça pourrait ressembler à un sort d'Harry Potter. Obscuritas! Oui, bah, ça, c'est la baguette magique du pauvre. Hein? Ben on fait avec ce qu'on a, mon vieux. Yanis Awimé qui nous dit... Alors, Awimé, Awimer, je ne sais pas exactement comment que ça se prononce. Je vais t'appeler Yanis tout court. Donc, Yanis tout court qui nous dit... Et la voix dit chez oui, MDR. Donc, il nous dit ça sur la vidéo d'Obscuritas. Analysons tout de suite les images. Une guitare. Une guitare. Effectivement, on pourrait croire que la voix dit chez oui. Belle analyse, Yanis, au passage. TH3Crazy62 nous dit dans pas longtemps tu auras les 40 000 abos. Peux-tu faire une vidéo où tu fais voir ce qu'on t'envoie sur Facebook? Exemple, les dessins et tout. Alors c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, ça j'y ai pensé d'ailleurs. Parce que c'est vrai que vous êtes quand même quelques-uns à me faire soit des dessins, soit des bannières, soit des logos. Et du coup tout ça à chaque fois je les enregistre dans un fichier. Il est pas impossible que je fasse une vidéo où je présente tout ce que vous m'avez fait. Ça c'est plutôt une bonne idée Crazy. Jolate, Dylan. Super Glitch qui nous dit, j'ai remarqué un truc à 1,51, Jolate c'est une victime, je le nique easy. Natsu Gaming qui répond tout naturellement, t'as vu quoi, j'ai rien vu moi. Très bien, analysons les images à 1,51, c'est parti. Maintenant on peut y aller. J'ai pas compris. Multicinec qui nous dit, venez sur ma chaîne, il va avoir masse vidéo, cool, allez voir les unboxings qu'il va avoir, plus setup, j'en dis pas plus. Aha, c'est bien mystérieux tout ça. Allons voir. Très bien, comment brancher votre Xbox 360? En voilà un tuto intéressant. Salut les gens, c'est Nifoster. On se retrouve pour un petit tuto, donc je vais vous montrer comment me brancher votre Xbox 360. Sincèrement, 5 dislikes, je comprends pas. Moi, je te mets un like direct, parce que là, tu m'as vraiment appris quelque chose. Bah oui, parce qu'avant ça, moi, je branchais tout le temps la prise dans le trou du cul de mon hamster, et je comprends pas, le courant, il arrivait jamais. Multicinec, je vais même te laisser un commentaire, parce que là, tu m'as mis sur le cul. Je vais dire, bah oui, c'est bien beau, tout ça. Mais la prise, on la relie où? Bah oui. C'est pas bête, hein. Écoutez, ce qu'on va faire, si cette vidéo atteint les 1000 likes, je vous fais direct un tuto comment brancher ma Senseo. Ben oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas comment brancher une Senseo. Et c'est possible. Akid officiel qui nous dit plus un like. Smile. Et ben merci mon cochon. Ça fait bien plaisir. Pousse Gaming qui nous dit hey, « Eh, tonton Jolate, c'est pour te dire que continue comme ça, j'adore tes vidéos, je regarde tes lives dès que je peux. Continuez, s'il te plaît. » Oui, Pousse Gaming, il m'appelle toujours tonton. Pourquoi? Je sais pas. Il a décidé que j'étais son oncle. Donc moi j'ai décidé que c'était mon neveu. Mon neveu caché. Merci mon neveu. MZ No Life Gamer qui nous dit abonnez-vous, je rends. Mettez fait. Maintenant, rends. Alors Randy Eneo qui nous dit en majuscule s'il vous plaît. Salut Jolate, je voulais savoir c'était quoi ton logiciel de montage. Très bien, très bien, très bien. Salut Randy, j'ai fait une vidéo setup. Tu peux aller voir si tu veux. J'ai tout dit dedans. A plus Randy. Chestoir45, Chestoir45 qui nous dit tu veux 20$ Steam? Alors clique ici. Marche
pas. C'est quoi cette arnaque? N'empêche, j'ai cliqué. Tu me dois 20$ Steam. Oslowi Moder qui nous dit, comme d'habitude... Attention, la suite est en majuscule. Trop bien, Jolat, mon youtubeur préféré! Mais tu peux répondre d'autres choses à mon commentaire que merci l'ami. Bref. Je te kiffe, Jolat, je t'adore! Alors merci, Oslowi Moder, ça fait plaisir. N'empêche, on retiendra la morale de cette histoire dans tout ça, c'est que, au moins, aussi petite qu'elle soit, t'as une réponse. Et toc! Eh ouais! Bah oui, le merci l'ami est une façon de te dire que j'ai lu ton message, je te remercie pour ton commentaire. Il est vrai que vous êtes quand même pas mal à me mettre des commentaires dans les vidéos, et que si je devais trouver une réponse personnalisée à chacun, je passerai ma vie à répondre aux commentaires. Et du coup, j'aurai plus de temps à consacrer pour faire des vidéos. Enfin bref, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce genre de petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous en voulez d'autres. Et quelquefois, je ferai des vidéos comme ça où je réponds à des questions. Ça pourrait être sympa. Tout ça pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et ça fait extrêmement plaisir. Je lis absolument tous vos messages. Je n'ai certes pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Pour tout vous dire, je consacre environ une heure par jour à répondre à tous vos commentaires. Que ce soit les commentaires YouTube, Facebook et Twitter. Et je dois dire que vous êtes quand même pas mal nombreux. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde, bye. Bah oui, parce que moi avant ça je branchais tout le temps la prise dans le trou du cul de mon hamster. Bah oui, parce que moi avant ça bah oui, parce que moi avant ça je branchais tout le temps la prise dans le trou du cul de mon hamster. Bah oui, parce que moi avant ça je branchais tout le temps la prise dans le trou du cul de mon hamster. Bah oui, parce que moi avant ça je branchais tout le temps la prise dans le trou du cul de mon hamster et je comprends pas, le courant il arrivait jamais. I'm gonna go get some more.